Au niveau de l'ONU, puisque c'est nous qui avons besoin de cette identification, nous avons un mandat pour nous appuyer, pour nous travailler avec eux, leur préparer le sang. Maintenant, qu'est-ce que ça nous fait pour nous gérer quelque chose ça? Il y a exactement un an de ça, nous signons un protocole de transmission de données avec le CEPA, qui dit exactement qui est pour nous remettre les données, à qui est pour nous remettre. Yo. Là qui intervalle pour nous remettre, ce qui format pour nous remettre et ce qui support pour nous remettre. Protocole ça, pendant ma parole avec nous là, il était en vigueur. Mais qui côté protocole ça a sorti? Là, réunion que nous gagnons régulièrement avec mon CEPO, bureau électoral, bureau registre électoral là, avec direction technique ONI, nous tous chita ensemble, puis ouais qui gens, nous qu'à gérer question de ça. Parce que par le passé, c'est toujours un problème entre deux institutions. Côté Toya, vous voyez, on dit CCEP, CEP dit CONI qui mettait en retard. Pour nous résoudre le problème, ça, nous avons créé une sous-commission ONI-CEP. C'est suite à travail ça que nous avons préparé le protocole. Ça, côté deux institutions d'accord sur tout ça, nous avons dit là. Maintenant, ce n'est pas un document qui n'a pas changé. Si demain, vous faites la loi décret électoral là, qui dit, mais qui gens peut faire l'élection, lui a toujours été valable, dans la mesure que pas grand changé dans la loi, pas grand changé dans le décret. Mais maintenant, si par exemple, le décret a dit, a bien 5 élections, là, nous avons fait le protocole là, nous avons fait pour 1 élection. C'est sûr, il n'y a pas des aménagements que vous pouvez faire, des modifications que vous pouvez faire dans le protocole là. Peut faire un addendum, mais peut aussi un nouveau protocole. Alors, le moment que je parle avec nous là, nous avons un protocole qui est signé. Et pour nous faire suite à ce protocole là, nous avons toujours été, on a travaillé chaque semaine ou chaque deux semaines, deux institutions qui étaient ensemble, au point de vue technique, puis regarder qui gens y a avancé. Parce que ça, c'est un bail qui est extrêmement important. L'autre disposition que nous prenons au niveau de ONI, nous créons un centre d'appel. Centre d'appel à ce qui s'allie. C'est une équipe hôtesse que nous mettons qui est là pour répondre à toutes les questions que nous avons gagnées sur ONI ou bien sur ce 4 là. Par exemple, nous avons besoin de côté bureau ONI au niveau de commune, au niveau de département. Nous avons besoin de connaître, par exemple, qui ça a besoin pour venir à ONI pour faire 4, qui ça a besoin pour renouveler 4, qui ça a besoin pour réimprimer 4. Quelle que soit la question qui a rapport avec ONI, ou bien avec 4 là, le numéro qu'on appelle là, c'est Star 82 82. Il est ouvert aux heures de bureau, c'est pas en centre d'urgence.